descendu du col du Galibier qui se trouve un peu plus haut là-haut pour arriver ici au col du Lautaret. Donc escale nocturne, mais difficile de ne pas profiter de l'environnement. Et donc on est parti jusqu'au col du Loup-Richard pour 2 heures de montée, 2 heures et 2 heures et demie de montée. Mais apparemment, d'après ce qu'on nous a dit, c'est magnifique. Donc voilà, un peu essoufflé, mais les paysages en vaut la peine. Hein ? Bon, je vais la laisser reprendre son souffle. Hein ? C'est pas une compétition, c'est du plaisir. Allez, à bientôt. C'est parti pour la rando jusqu'au col du Loup-Richard. Et ça doit être quelque part par là. J'ai eu 2 heures de montée. 2 heures de montée, ils disent. Hein ? C'est ça. Devrait le faire. Bon, il est 1h. 5. Rendez-vous à 3h. C'est ça. Non, 2 heures de montée. Donc il faut 2 heures pour descendre. Là, on était sur la route du col du Loup-Richard, parce qu'on fait les cols par la route, mais on fait ici les cols à pied. Donc là, c'est le col du Loup-Richard. Donc on est à 2300, là, quelque chose comme ça. Là, ici, si vous regardez bien, vous avez en bas, là, le col du Lautaret. Et hier, on était là-haut, au col du Galibier. Voilà, donc bah, écoutez. Je disais, la descente ne va peut-être pas être plus facile. En poussant fort. On devrait peut-être arriver en bas. Ou on se fait s'enrouler. On doit juste aller là. Ça ira. Ouais. On y croit. Ouais. Ça grimpe. Nous aussi. Nous mais aussi. Donc du coup, ça va aller. C'est pas sûr. Thank you.
Je n'en peux plus. Je suis rincé. Alors, il nous annonçait 600 mètres de dénivelé environ 6 km. On n'a fait que 450. On n'a pas pu aller plus loin. On a vu, on avoue. Ça n'a pas été bon. Oh. Mais par contre. Si, on a été très courageux parce que punaise, quand je vois ce qu'on a descendu, c'est tout ce qu'on avait monté. Et ben, c'était. Ça, c'est un peu logique. Effectivement, tout ce qu'on a descendu, c'est ce qu'on avait monté. Sinon, ça veut dire qu'on arrive en dessous de là où on était parti. 2 heures de descente. D'accord ? Ouais. 1 heure et demie. Ah, si, 2 heures. Donc, à monter, je te dis pas. C'est ça, moque-toi de moi, je te dis que c'est la vérité. Alors, hier soir, quelques gouttes de pluie. Ça ne nous a pas empêché d'aller un petit peu au-dessus, là, au niveau du col du Lautaret, et manger notre fondue. Enfin. Extra. Voilà. Wow. Dans un endroit vraiment très, très savoyard, plein de bois, etc. Ouais, c'était vraiment. Donc, c'était vraiment pas mal. Ouais. Mais cette nuit, quelques éclairs et quelques gros coups de tonnerre. Et donc, en fait, quand vous êtes en altitude, vous ne pouvez pas le rater, l'orage. Non. Non seulement vous l'entendez bien venir parce que ça résonne déjà de loin. Et en plus, vous tremblez. Et alors, une fois que ça sonne, ça tonne ici, alors là, vous avez les camions qui tremblent. C'est très particulier, mais bon, ben voilà, ça s'est fait, quoi. Dans tous les cas, c'était de la pluie. Il n'y a pas eu de grêle. C'était pas de la grêle. Donc, c'est ce qu'on craignait le plus, effectivement. Et voilà le temps que nous avons aujourd'hui. Donc, pas mal. Il faisait de l'orage à 8h. À 10h, c'est grand soleil. Voilà. Donc, nous repartons. Nous reprenons la route. Là, nous quittons le col du Lautaret pour le col de Izoard, effectivement, le col d'Izoard. Donc, ce sera le 11e dans la route des cols, la route des Grandes Alpes. Et donc, il nous en restera encore un. Et puis après, on sera contraint de lâcher, de ne pas aller jusqu'en bas, mais de reprendre la route et peut-être vers d'autres destinations. Mais ça, on verra bien. Et voilà, ça y est, on a passé le 11e col, le col d'Izoard, à 2362 mètres. Et donc, il se trouve là-haut. On n'a pas pu s'arrêter parce qu'en fait, c'est un col qui est très court. Petit, ouais. Et forcément, à chaque col, les gens s'arrêtent. Beaucoup de cyclistes, beaucoup de motards, ouais. Beaucoup de voitures. Et forcément, quand on est un peu plus long, un peu plus large, c'est un peu plus compliqué pour stationner. 2362 mètres, c'est quand même sympa parce que quand vous voyez les panoramas qui sont là, c'est assez sympa. Bon, celui-là aussi est pas mal non plus, mais là effectivement, donc là on va redescendre en épingle. On s'arrêtera à Arvieux, histoire de vidanger et faire le plein. Et puis après, on a trouvé un petit endroit pour se poser, vous verrez, ça c'est sympa aussi, mais on vous en dit pas plus. Profitez du paysage.
un peu crevé. On monte. Alors, on est pas loin d'un monastère. Oui, oh bah écoute. La Chartreuse, pour ceux qui connaissent. La Chartreuse. Enfin, rien à voir avec l'alcool. Enfin, nous, jamais. En tout cas, c'est super beau, mais ça monte. Hein. Ça grimpe, ça grimpe. Oui, mais regardez. C'est pas joli, ça? Si, hein. Ok. Oh, chouette. Et là? Là, ici? Là, 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 là. Enfin, j'en aurais pas assez hein, de tout. Ouais. Toute la mémoire du téléphone pour vous montrer qu'effectivement c'est super beau. Donc voilà, voilà.
Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Or at least I try to be. Cause I hope that I'm not showing how I feel for her. But she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us. Alors aujourd'hui, petit déjeuner à au petit village du Reposoir. Oui, c'est ça. Super. Donc le village du Reposoir se trouve à Précluse, après Taninges, en direction de l'école de la Colombière. C'est ça. Qui se trouve là derrière, ici. Qu'on en franchira tout à l'heure. Voilà. Et donc quand on dit village du Reposoir, eh ben ça porte bien son nom. Oui, parce que franchement, il est magnifique. C'est un super petit village. Pas trop de monde. Une aire de camping-car gratuite. C'est vraiment. Et alors une vue. Imprenable. Et donc pas mal de petites balades. On a fait une petite randonnée, vous en verrez des images. Oui. Donc. C'est la montagne, par définition. 210 mètres de dénivelé vers le haut, vers le bas, donc voilà, c'est pas non plus si énorme par que contre, ça. Ça faut franchement, c'est très très bon. Et arrivé sur le monastère de la Chartreuse, pour ceux qui connaissent, effectivement c'est très joli aussi. Donc, programme de la journée aujourd'hui, passage du col de la Colombière, puis après, direction le Grand Bornon, et ensuite direction encore d'autres cols, et puis d'autres images encore bien jolies à voir, parce que là il y a aussi des grand spectacle.